Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Et je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter à Zérokouré, à Yomou et à Lola. Je salue tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Je salue tous mes fans. On dira mon musique est full de Guinéens. La Huron, quand la compte d'un des Adnan, il faut partager la vidéo quand elle est là qu'il faut. L'art de l'or, le life humain, mais là, ne vous dérangez pas. Qui de ce mari, il n'a pas de détails, on m'expliquera très bien. Mignon de l'or, le cas dit, je suis trop occupé là, je suis un peu occupé là, mais le combat continue. Donc, bref, la famille, partagez, mettez le cœur, partagez votre cœur, je dis. Enani au PV, Claude PV, Titama. Parce qu'il y a un peu de Harry Noir, le dos, Claude PV, Maï, mini, Claude PV, Maïale. Mais vous savez, avec les CNRD, tout est possible. C'est des délinquants qui sont au pouvoir, c'est des délinquants qui sont capables d'organiser des manipulations. C'est des délinquants qui sont trop expérimentés à organiser des manipulations. Donc, je m'adresse aux blogueurs, aux communicants là, aux blogueurs, aux communicants sur les réseaux sociaux là. Faites beaucoup attention, ne tombez pas dans les pièges. Écoutons d'abord ce qui va se passer. Parce que pourquoi la CEDEAO doit se rendre en Guinée le 22? Le 22 septembre, la CEDEAO, délégation CEDEAO, nous arrête la Guinée pour demander qu'on tombe pour le processus électoral. Ça, c'est point numéro un. Point numéro deux, on a dit que les réseaux sociaux différents de l'eau font une devoir faire qu'on est outil tellement côté Afrique, pays. On a une déclaration qu'a dit Baouri, le capitaine Baouri de CNRD, le plus grand malhonnête intellectuel de la République de Guinée, qui n'a aucune conscience humaine. Voilà. Qui disait hier que, ça dit, il veut la démocratie en République de Guinée. Maintenant, comme il est rentré dans les plateaux de CNRD, il est en train de manger à sa faim, Baouri ne pense plus maintenant à parler même de la démocratie. Mais nous, on laisse tout, tout est dans la main de Dieu. OK. Deuxième manipulation, donc. On est soi-disant le conseiller de Doumbouya. Écoutez-moi très bien. Mamadi Doumbouya, eux, ils pensent qu'ils sont trop intelligents. On vient de dire que soi-disant le conseiller personnel de Mamadi Doumbouya, sa déclaration, on a dit qu'il faisait semblant. Il ne voit pas Mamadi Doumbouya n'a qu'à organiser les élections. Mamadi Doumbouya n'a qu'à. Et Ole Maninka. Il n'a qu'à faire ça. Écoutez très bien cette vidéo. Son mari Hakil Andobe politique, ben, analyse politique, conscience d'où il était. Il a cité beaucoup de choses. Mais là où j'ai compris même, c'était une manipulation. Qu'au goût au poussimo de venir parler comme ça, là, ils vont lancer ça sur les réseaux sociaux pour endormir les Guinéens. Pour fiancer nos cadets. Gentlemen, très bien. Aussi, au niveau, Mamadi Doumbouya n'a qu'à aller dire aux Guinéens. Comment il va organiser les élections? Pourquoi ça a retardé comme ça? Gente très bien, femme est politique. Femme est très bien politique. Ko pay kun sare juine do ko gente do. Gente très bien. Ati on ful be on femme ta politique de conscience. O ini kaner 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 hala mako vocal mako. Wo ginem be mo ya. Wo artiste be inu wo be inu gono madi dumbia itana na be wo dum foko birdi birdi. Honto no mi andi ko fenande ko manipulado yo yalterni o olirani be getta on vocal be wada ka réseaux sociaux en no gol haybe be no conseil du mois yo accitu lamu ngon ko fenande c'est pour nous endormir encore nos renouveler la 1 an ma 2 ans ko fiyo no mi woné wolde dum ya e gento don life pay kun sare on déclaration makon o inali don he no be no sikude be way manipulation gente très bien écoutez-moi très bien. Écoutez bien ces vocaux-là. Il n'a jamais mentionné dans ces vocaux-là où il disait à Mamadi Doumbouya, Gentelan, très bien, qu'il n'a qu'à appeler tous les leaders, Sidia Touré, président de l'IFDG et les représentants de RPG Arc-en-Ciel. Il n'a jamais parlé de ça. Gentelan, très bien, pour vous dire que c'est une manipulation. Il est sorti pour dire ça sur les réseaux sociaux maintenant que les gens vont écouter. Même les gens qui sont proches de Mamadi Doumbouya ne veulent pas que Mamadi Doumbouya force la situation pour devenir candidat. Maintenant, les deux points que moi j'ai écouté ça là, les deux points que j'ai soulignés moi-même, personnellement et intelligemment, intellectuellement et politiquement, ce que j'ai
ce que j'ai noté là-bas, ce que j'ai pris comme mensonge intellectuel, il a cité tout, mais il n'a pas dit à Mamadi Doumbouya, dans ses vocaux-là, d'appeler les leaders-là, les opposants. Ils vont s'asseoir, ils vont parler ensemble. Donc le CNRD, c'est des manipulateurs. Donc, ils ne veulent même conseiller personnel Mamadi Doumbouya. Ari, c'est pour nous endormir. Gente phrase ma con, il faut lui donner 2 ans. Telle année, on va organiser les élections législatives. On va faire comme ça, on va faire. Écoutez très bien. Donc, manipulation, tant tel ton birdi birdi. En famille. Troisième aspect, ce fait il a fait, ko fe ila be don evenement ko fe ila be kon ko himbe be yobi Mamadi Doumbouya a payé des gens be yey be yetti himbe gauche à droite wo be ko Conakry pour venir remplir là-bas in gol ko leñol fulbe wonno ka stade famé politique seda hande don kadi miaray fulbe be fulbe dido wonno be on délégation labe miaray mi jonna inde mabbe ne non et prénom no be organiser non dum fop himbe buy ko Conakry jetta ada fi yo rempli sou labe inugol ko non fulbe ben yayi e si goddum wadi udite hakile mon ko manipulation won nendo o e tout récemment ko be yalti do wo be jonu de titre foncier fulbe ben ko fi on do million il reste 2 mois 3 semaines 15 jours la Mamadi Doumbouya on va arriver à la oxadi finalement kon ko fi on ko fendo do be yalta tabe na be joni titre foncier fulbe ben Capororay fo no ande toutes les personnes qui ont perdu leur maison à Capororay là 97% sont des ethnies peuls. Donc, le CNRD, comme ils ont tout fait, ils ont mis Ousmane Gawal en mission pour déstabiliser l'IFDG. Ousmane Gawal a dépensé tellement d'argent, il n'a pas pu. Baouri, le capitaine Baouri de CNRD, Baouri, le malhonnête intellectuel là, voilà, le malhonnête criminel là, le malhonnête intellectuel, Baouri, c'est un psychopathe intellectuel. Le psychopathe intellectuel, capitaine Baouri. On y déclaration Baouri Fendoro. Il part dans les médias allemands Inugol où Alpha Condé est un danger pour la Guinée. Où Alpha Condé est à Doumano pour déstabiliser le travail que le CNRD est en train de faire. Baouri, hakoune mon yalla. On en Guinée, mais on est genta de l'an. Quand nous égole, Mamadi Doumbouya on est. Ils sont venus nous mentir ici. Baouri, capitaine Baouri. Le psychopathe intellectuel Baouri. Il est venu nous mentir ici, le capitaine Baouri, CNRD là. Que Mamadi Doumbouya a dit goudron 2000 km. Ka. Maintenant, où sont les résultats? On y résultat, Gidi. Allah est Fernande Soudo Tako. Fernande Soudo Tako. Les mensonges, on ne peut pas cacher les mensonges. On ne peut pas cacher la vérité aussi. On ne peut pas cacher la vérité devant Dieu. Donc, faites beaucoup attention. Ils ont retrouvé Pivi. Ne rentrons pas dans les polémiques là. Ils vont prendre, c'est-à-dire, le problème là, tout celui-là. Ils vont lancer ça sur les réseaux sociaux. Pour endormir les Guinéens, la CDA va venir en Guinée, ils vont dire, ouais, comme ils ont retrouvé PV maintenant, peut-être ils vont dire maintenant que les avocats de PV même vont faire appel. Écoutez, c'est le CNRD. Mamadi Doumbouya est un psychopathe criminel intellectuel. Mamadi Doumbouya, c'est un délinquant expérimenté dans la voïtocratie. Donc, n'écoutez pas Satan, bien tout. Oh, comme il y a un événement qu'on va dire, l'abbé, il faut qu'il y ait de Conakry jusqu'à l'abbé. Fulbe yalto de be inu golbe wene me wela mani ko fulbe ko so wombe lenyol soso maninka be wolo be pulal buri hay lenyol pullo ko ben jetta wobbe mabbe yo yaw wada témoignage wolira ni ko fenande c'est une manipulation jeunesse son vrai jeunesse son labe fono andi ils se sont pas intéressés même à ça mi jona on en preuve lando don kadi pour preuve kala mo berno be tay ka station don moto ya yogi moto o fi ya yow ka starton tatu gol mom e evenement Mamadi Doumbouya kalbiran ko be yettete no be wadane ka moto ma landebe wo sa ni be wadante kalbiran ko be jonne 3 personnes be dowte ha ka station be jonne mbudi mais tu seras accompagné par 3 personnes kiki de do je vais venir rentrer dans les détails donc affaire de PV la faites beaucoup attention le CNRD est capable de tout. Nous sommes dirigés par des criminels, des voïtocrates, des délinquants expérimentés, des manipulateurs, des malhonnêtes, des ingrats, des inconscients, des ennemis de la République de Guinée. Nous sommes dirigés avec un clan
des diasporas malhonnêtes et inconscients. Donc faites beaucoup attention. Ils ont retrouvé PV, c'est ceux qui vont prendre maintenant, lancer partout. Mamadi Doumbouya travaille, ses agents secrets ont travaillé, ses services de renseignement sont forts, ils vont venir lancer ça sur les toiles. Hey, on s'en bat, on s'en fout de ça. L'essentiel est qu'on se prépare pour le 31 décembre 2024. Comment dégager le criminel là au pouvoir, c'est tout. Ne rentrez pas dans les détails là. Tant qu'on a dit affaire Claude PV, il y a Tata Yoni Kadibewada, yes. On y a fait un effort. Quand on a fait un effort, on a fait un effort. Billahi wallahi ta'alaï. Quand on a fait un effort. Jodo deva jodo to do migida ina ko hundu ka ko ko kud ka sadi mi anda ko hundu nangi lenyol pullo mi wolay do hala jigo ha mi monomi yenna mi fala kale yenno ko ko hundu nangi lenyol pullo ndare do ko be deplaci be yeka fore ka konia ka en ko be hala ni Mamadi Doumbouya ko be sutenata mo hande e sutenata mo jango kala wondu de Mamadi Doumbouya kadi be sutenata on tigi hayo presento candidat election présidentielle. Quand un coordinateur a la jalseni d'alabaye, be full be wampe inu gol ko be coordinateur lenyol pullo. Quand be wata heku gol courage be sousa, be hula Mamadi Doumbouya. Quand be hula ta Mamadi Doumbouya. Edoua kamayu gol nyande go. Coordinateur hali pulal, quand be wata no jora gol ender futa jalo. Ina do menem men jabali ko be wondon wadde ko. Wano ko wada ka fore ko. O hi ko wada ka fore ko. Na fi giagal. Be wada nali Mamadi Doumbouya na fi giagal. Fous. Ils ont été clairs, la forêt a été claire. C'est pour cela que j'ai dit à Mamadi Doumbouya, tu ne peux pas faire du mal aux forestiers là. C'est les peuls, certains peuls là et certains soussous qui sont des lâches, qui sont des escrocs. Mais la forêt, ce que vous avez fait à Dadis là, humilier Dadis comme ça là, vous pensez que la forêt va accepter ça? Tandis que le criminel, le bandit, ce qu'on a Konaté, il est en France, il est en train de boire des champagnes. Bala Samoura tourne dans les voitures climatisées. Vous pensez que la forêt va pardonner ça? La forêt, c'est les soussous ou c'est les peuls? Les escrocs, les peuls escrocs là, les soussous escrocs là. Vous pensez que la jeunesse de la forêt ou les gens de la forêt, c'est des escrocs? Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit que vous ne connaissez pas les vrais forestiers là. L'humiliation, c'est ce que vous avez fait à Dadis. Quel est le forestier qui va accepter ça? C'est les catholiques qu'on met en prison là. Les soussous sont incapables de se lever. Ils sont en train de partir encore voir les criminels là. Hein? Gouvernement Gologueme. Ils sont en train de voir CNRD Gologueme. Et pour faire les nyari maga encore pour dire itana nabe ou yamou yagima ou manya ou mou ga ou malayara. Pour autant ça, des vandis, des êtres humains vandis comme ça qui n'ont aucune dignité humaine. Hein? Des vandis comme ça là, vous n'avez aucune dignité humaine. Votre dignité se limite à la place de l'argent. Des achetés, des corrompus comme ça là, vous n'avez même pas honte. Mamadi Doumbouya, itana nabe. Supporter un criminel comme ça au pouvoir, au mandat soit. Au mandat soit. C'est le peuple qui va voter son dirigeant. Donc, c'est le monsieur qui est parti dire qu'il est en train de donner des conseils à Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit que c'est une manipulation. Je vais parler ça maintenant en français. Pourquoi j'ai écouté tout? Pourquoi il n'a pas dit dans sa phrase là-bas? Pourquoi il n'a pas prononcé le deux mots ou trois phrases pour dire dans ces phrases Mamadi Doumbouya appelle tous les leaders là, vous allez vous asseoir, tu vas organiser les élections libres, transparentes, c'est lui qui gagne, tu lui donnes tu lui remets la clé du palais Sékou-Touré. Hein? Mais il n'a pas dit ça, il a dit seulement où sont les cassoulets aujourd'hui ou ceux qui étaient avec Alpha Condé. Est-ce que vous avez entendu dans sa bouche, dans vocal là, vous avez entendu lui dire, il faut appeler les dealers, vous allez vous asseoir, tu ne peux pas faire organiser les élections. Il dit non, organise les élections, comme ça tu vas respecter ta parole, c'est tout. S'il était au sérieux là, il allait prononcer le nom de Sidya Touré, RPG Arc-en-Ciel et IFDG de présidentiel d'ailleurs, parce que c'est les trois partis politiques là qui existent en Guinée. Donc c'est de l'hypocrisie intellectuelle. C'est pour endormir encore. Écoutez bien sa phrase, jusqu'à même il dit... Si on doit te donner encore un an ou deux ans, tu vas organiser les élections législatives et comme ça, communales. Hey, c'est des histoires. Parce que là, ils sont coincés. Mamadi Doumbouya ne peut pas s'imposer après le 31 décembre. Maintenant, il faut chercher des moyens pour frapper l'intelligence, pour frapper l'alphabétisme des Guinéens, là, pour dire il faut les endormir, il faut prononcer cette phrase-là, il faut prononcer le mot-là, comme ça, ils vont tomber dans le piège. Pour pouvoir encore donner un an ou deux ans à Mamadi Doumbouya, comme ça, on est arrivé à 5 ans.
Donc c'est une manipulation intellectuelle et corrompue et escroc. Donc n'écoutez pas. Celui qui a parlé là dit qu'il donne des conseils à Mamadi Doumbia. Mansaya Bila, Ikini Tolomalo Mola. Tout ça là, c'est des histoires. Faut qu'on fasse un déco birdi birdi. Quand il mina de yowolir non, hadi yowola kander phrase ma quand ina yo Mamadi Doumbia no douselu, Sidia et RPZ à cancel, mais Gioro beola be organise élection. Owola li dun kahala ma kodi. Quand ino goltun, wano be Gioko no be kasori hande. On be ala ima golfi kasori. Alpha Condé wano be Alpha Condé. Gente birdi birdi on, faut qu'on manipulation. Donc on a wano get to the problem PV fendo do wada dun kare réseaux sociaux. CNRD Mamadi Doumbia il est ko bandi be wonel ko narko be woni dirige gol la ngine be mari hakil han be way organise gol dun gilane bi nu après non si fuite que fin septembre do wono ardo 17 septembre be nanga non do PV be nangin kin no PV ara non ko me kambe kadi jogi no PV par exemple ko mafia c'est des délinquants ko bandi gilami la ngine be ina wada dun dun be doginamo be nabo mo ka burure ton Liberia benanga moto ha fiondodo ndaru gol tension be yaltina non je ne mo Mamadi Doumbia service de renseignement on ofori ko dum woni mi do fi war gol coup d'état o hulbingo limbe ben c'est des histoires Mamadi Doumbia nous on va te combattre jusqu'à la fin donc ko dum mi fala no wona gol ko feji la be do ko mi buino yalta do na attaque lenyol fulbe ben ko fenande ko himbe yoba be déplaçable yobambu di hande non kadi merde preuve on kiki de kalay fami holla ko dum mi fala no wona gol. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partagez vos vidéos quand elles groupent. Faut qu'aux bandits, qu'aux criminels de l'ami lagne. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Même évasion de la prison là, ils peuvent organiser ça là pour se sauver aujourd'hui là. Tout est possible avec les criminels là. C'est des voyous. C'est des délinquants qui sont à la tête d'un pays. Hein? Des narcomans, des narcomaniens, des braqueurs. Donc ils sont capables de tout. C'est l'intelligence intellectuelle. Donc, oh, il y a tout le voco qui a payé pour ça. C'est des histoires. Dare, y a une life pour payer pour ça. Dare, on oli don. So oli in the leader yo. So oli in the politicien yo. Voilà. Quand on entend ton fenade, comme Mamadi Doumbia, il minimo yo oli ni. Monsieur le président, son général, je vais te donner les conseils. Oh, voilà, français, oh, voilà, maninka. C'est des histoires. C'est une manipulation intellectuelle. Donc. Portez-vous bien, on se reprend plus tard. Bye bye le soir. Ciao, ciao. On a affaire avec des criminels, des bandits expérimentés, des braqueurs.